de espritrentier.fr. Eh bien écoute, bienvenue pour cette 18e revue de swing trading sur les actions US. Voilà, ce sont des trades que je fais réellement et que je publie sur mon blog pour partager et apprendre ensemble. D'ailleurs, je t'ai mis le lien de la première formation que j'ai suivie de Nicolas parce qu'elle offre 4 vidéos gratuites de formation que moi j'avais bien aimé. Ensuite, j'ai suivi sa formation et derrière, eh ben, écoute, je me suis passionné pour le swing trading et aujourd'hui je développe ma propre technique. Et bien sûr, je continue à trader sur des actions de la watchlist quotidienne que m'envoie Nicolas. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'action PEN, P-E-2-N. PEN National Gaming Incorporation, comme tu peux voir écrit ici ou en haut à gauche ici. Donc on est dans le secteur des biens de consommation et on n'est pas dans les jeux vidéo, contrairement à ce que le nom pourrait croire, on est dans l'hôtellerie et le resort. Alors voilà, là on est sur une très belle action, puisqu'on pourrait presque remonter à un an ici en novembre, avec une ascension mais phénoménale. Si je reviens ici en novembre et que je prends grosso modo un point bas, eh ben, l'action a pris 120, ouais, presque 130% en un an. Autant te dire que j'aurais aimé faire un placement long terme sur cette action. Donc, je l'avais repéré ici, comme tu peux le voir avec la ligne de tendance de breakout là. Et moi, je suis rentré sur le breakout ici, le 23. Donc, on a eu un cassage, donc comme d'habitude, on a une résistance, on est venu la taper une fois, deux fois, trois fois, et là on est venu la casser avec des beaux volumes. C'est vraiment important d'avoir des volumes qui suivent. Et moi, je suis rentré le 29-09, et je vais te dire exactement, je suis rentré le 29-09, et j'ai acheté à 23-45 ici. On a eu un petit pullback, donc ça c'est bon signe. Moi, j'aime beaucoup quand on a un pullback parce que s'il y a rebond sur la résistance devenue support, avec en plus, comme on peut voir ici, de très forts volumes qui arrivent, c'est un très bon signe que la tendance va se faire, que le breakout opère. Et c'est le cas puisque tu peux voir que là, on est monté très haut et qu'on continue de monter. J'avais positionné mon stop loss ici au dernier mouvement, à la dernière bougie, on va dire, baissière du dernier petit mouvement qui a précédé le breakout. C'est une technique que j'aime bien pour placer mes stop loss. En plus, là, on était vraiment sur une belle consolidation. Si tu veux, regarde, je vais placer. Alors, attends, laisse-moi trouver. C'est un outil que j'utilise pas souvent. Voilà, le rectangle, on est ce qu'on pourrait appeler sur une box. Il y a certains traders US qui appellent ça des box. Voilà, ça c'est une magnifique box. C'est, tu vois, c'est une consolidation pendant laquelle le trade va et vient de haut en bas. C'est vraiment un très beau canal. Et là, on est venu casser la box ici. Donc le stop loss était bien placé. Hop, l'action monte, descend. Et là, en jaune, c'est une prise de profit. Donc une première prise de profit. Que j'ai pris donc le 18 octobre à 24,52$. Et j'ai pour le coup pas rehaussé mon stop loss. J'aurais pu, généralement je viens de rehausser au moins au niveau d'achat. C'est une manière de sécuriser les gains. Là je ne l'ai pas fait. Bon, je ne pourrais pas trop te dire pourquoi, parce que généralement je le fais. Mais comme on était sur une très très belle tendance haussière sur cette action, on va dire que peut-être que j'ai été un peu plus détendu sur le coup et j'ai pas eu tort puisque pour le coup l'action a continué de monter. Par contre ici là, on a atteint en fait mon objectif de profit, il était à 26. Voilà. Il était à 26, pourquoi? Parce que moi je suis rentré sur un breakout à 23 et si tu veux, je prends souvent comme objectif... comment t'expliquer ça? Je sais mieux si je te fais, si j'utilise ce petit outil-là. Voilà, tu vas vite comprendre. Et voilà, on retrouve exactement la logique que j'ai utilisée. Donc là, c'est normalement un outil qui permet de calculer le risque-reward, d'accord? Et moi, je l'utilise aussi pour définir ma cible.
C'est-à-dire que je prends le plus bas de la figure de trading, donc c'est ce breakout ici, à partir du 23 là, jusqu'à ce que je considère 20 ici, c'est le plus bas de la figure de trading, et je reporte sur un ratio de 1 pour 1 en haut. D'accord? Donc là, on était à peu près sur 20 à 23. Si je fais 23 plus 3, du coup, ça m'amène à 26. Donc j'avais mis ma cible à 26. Maintenant, pour le risk-reward, tu peux voir que j'avais mis mon stop-loss ici. Et là, tu as le ratio risk-reward. Donc c'est le risque par rapport au profit. Tu peux voir qu'on était sur 3,76, donc presque un ratio de 4 pour 1, ce qui est un excellent ratio pour un trade. N'oublie pas de regarder ce risque-reward avant de rentrer sur un trade, même s'il te paraît beau. C'est important, si tu es sur un ratio de 1 pour 1, je te conseille d'abandonner. Il faut être au minimum sur un ratio de 2 pour 1 pour être rentable dans son money management. Donc là, si je reviens... Eh bien, écoute, j'étais sur les 26, j'ai atteint ma cible ici le 31 octobre. Donc, j'ai placé un stop loss. Là, en fait, on est redescendu légèrement. Et tu vois, j'ai placé le stop loss au niveau de la dernière baisse. Et bon, on pourrait dire pas de chance, mais c'est pas grave. L'objectif était atteint. Il y a cette longue mèche qui est venue le déclencher alors que l'action continue de monter, mais on voit qu'on est arrivé sur une petite phase ici d'incertitude. Alors, est-ce que c'est une phase de consolidation pour continuer? On verra. En tout cas, moi, je suis sorti. Ça me fait un beau trade à 7,86%. Voilà, donc dans ces cas-là, c'est que du plaisir. Écoute, si tu as aimé cette petite vidéo d'analyse, mets-moi un gros pouce, partage, encourage-moi, laisse-moi un commentaire. Donne-moi des conseils si tu en as, pose des questions si tu en as, va faire un tour sur espritrentier.fr. Je te conseille de suivre les 4 petites vidéos gratuites qui sont fournies dans la formation. C'est vraiment du basique, mais c'est très très bien pour commencer. Et puis je te dis à bientôt, ciao ciao.